Une amoureuse flamme consume mes beaux jours. Ah, la paix de mon âme a donc fui pour toujours. Son départ, son absence sont pour moi le cercueil. Et loin de sa présence, tout me paraît en deuil. Alors ma pauvre tête se dérange bientôt. Mon faible esprit s'arrête, puis se glace aussitôt. Une amoureuse flamme consume mes beaux jours. Ah, la paix de mon âme a donc fui pour toujours. Je suis à ma fenêtre, ou dehors, tout le jour. C'est pour la voir paraître, ou hâter son retour. Ça, c'est l'appartement. Alors, c'est ici. C'est un beau trois pièces, comme vous voyez. Il y a du parquet. Parquet, très bien. Une belle bibliothèque. Par contre, il est probable que je laisse mes affaires. D'accord. Quelques-unes. Bon. Voilà, je vais. Le chauffage, c'est très important. Je vous demande ça tout de suite. Oui. C'est collectif ou c'est électrique ? Oui, collectif, collectif. D'accord. Je vais commencer par vous montrer la cuisine, si vous voulez bien. Donc, voilà la cuisine. D'accord. Bonjour. Bonjour. Donc, comme vous voyez, le frigo fonctionne très bien. D'accord, congélateur. Avec le congélateur qui correspond. Ouais. La machine à laver avec tous les programmes. Il y a 7 programmes différents. Là, c'est donc le four. Hein, le four qui fonctionne vraiment très bien avec ses plaques. Donc, une plaque électrique et 3 plaques à gaz. Il y a beaucoup de rangements. Formidable. La haute qui est aussi électrique. Voilà, donc les rangements. Hein. Ça, c'est le plus de cet appartement. Il y a énormément de rangements. Oui. Chose qui n'est pas très usuelle à Paris. Le plancher, pardon, le sol, vous voyez, c'est le carrelage, voilà, le carrelage, c'est carrelage, donc c'est très pratique. C'est, ça se lève très facilement, voilà, c'est ça qui est bien. Voilà, sinon là, il y a aussi des rangements, je vais vous montrer. Donc je vais vous montrer cette partie-là de la pièce. Comme vous voyez, d'une part, il y a encore des rangements, chose très très pratique. Hein. Un gros micro-ondes. D'accord, oui. Qui fonctionne à la perfection. De ce côté-ci, donc vous voyez, il n'y a pas de vis-à-vis, ce qui est très pratique dans cette ville, surtout parce que... C'est... Bon, on va voir maintenant, si vous voulez bien, le salon, hein. Oui, je veux que vous me suivez. Merci. Donc voici le salon. Il y a un canapé, vous pouvez vous asseoir si vous voulez. Hein. Donc voilà, comme vous voyez, il y a aussi des rangements ici. Donc la cheminée, en général, on ne l'utilise pas à moins que vous preniez à votre charge le ramonage. Et donc c'est 3 mois de loyer, comme caution, plus le mois en cours, voilà. Ah, c'est beaucoup quand même, non? Vous savez, il est complètement meublé, hein, je laisse tous mes meubles. Un mois, donc à partir de là, il faut que j'ai une garantie. Pour les meubles. Ouais, bon ben. D'accord, oui. Pas de problème. Hein. Bon. Moi, ça me plaît, hein. Je trouve que c'est ravissant. C'est ravissant, cette pièce, elle est très agréable à vivre, à mon avis. Ok. Bah, on continue la visite ou... Oui, bah allons-y. Enfin, en tout cas, pour l'instant, il est en tête de ma petite liste de favoris. Ah, il me plaît, hein, cet appartement. Ah, ouais, moi aussi, mais mettez-le en deuxième place quand même. Parce que vraiment, moi, j'en ai marre de chercher, là, j'en peux plus. Ah, ça oui. fait 3 mois que je cherche et. Puis bon, c'est un peu difficile avec mon dossier. Enfin bon. Mais... Ouais, non, on se demande ce qui est le plus dur à Paris, si c'est de trouver un appartement correct ou si c'est de trouver l'amour de ses rêves. Ah, ouais, c'est vrai. Moi, je crois que si on me donne cet appartement là. Je pense qu'ici, vraiment, je pourrais partager mes rêves avec quelqu'un. Ouais. Je crois que je pourrais dire la même chose. Vous venez ? Et donc ici, voilà la chambre à coucher. Hein. Ouais. Ah, c'est bien. Excusez-moi, juste la question, on va aller droit au but. Vous faites quoi dans la vie ?
Moi, je travaille à la Cinémathèque française, là. D'accord. À Paris, Bercy. À Bercy, ouais. D'accord, ok. Et vous avez un CDI, un CDD Là, pour l'instant, je suis en CDD, mais d'accord. Bon, ça va sûrement se prolonger, je pense. Ouais. Ok. D'accord. Et vous, excusez-moi. Je suis architecte. Vous êtes architecte, d'accord. Oui, je travaille dans un cabinet pour l'instant. Je viens de finir mes études, en fait. C'est un CDI, c'est un CR de départ, mais qui est confortable. J'ai des fiches de paye, hein, de toute d'accord, façon. D'accord. Vous avez des garants, mademoiselle ? Oui, moi j'ai ma tante. D'accord. Et qui fait quoi ? Elle travaille à la poste. Ah, d'accord. Et vous avez des garants ? J'ai mes parents qui sont en province. Vos parents ? Oui. Mes deux parents qui sont à Troyes, j'ai les papiers également, ils sont à la retraite, mais ils sont propriétaires à Troyes, on a la grande maison familiale là-bas. D'accord, ouais. À Troyes. Ouais. Ok, bah écoutez, on va voir ça tout à l'heure, hein, ouais. Avec tous les dossiers. Excusez-moi, c'est mon téléphone, hein. Désolée. Allô ? Vous travaillez à la Cinémathèque alors ? Ouais. Ah, c'est un lieu formidable. Ouais, là je viens de commencer en fait, j'ai fait des études de cinéma, ouais. Et puis... J'adore tout ce qui est programmation, archives, et puis en plus, c'est un nouveau lieu maintenant. Ouais. Donc, oui, très réussi. Je suis très contente. Moi, j'adore à la fois l'architecture et le cinéma aussi. Mmh. Donc, Ah oui. Ouais, c'est bien. Mais bon, enfin, c'est vraiment agréable d'avoir un travail comme ça, mais c'est clair qu'ici, pour les dossiers à Paris, c'est une telle... Ouais, c'est l'enfer. Ils te demandent même ce que font les grands-parents. Enfin. Si un ou deux obtient le bail... On pourrait peut-être partager l'appart. Ah, ouais. On pourrait essayer, oui, de vivre en colocation. Quoi. Oui, voilà. Ouais. Bah, si t'es partante... C'est un peu... Mais bon, allons-y, quoi. Oui, c'est un pacte. Ouais. Allez pour le pacte, quoi. D'accord. Ok, ça marche. C'est une promesse, alors. Ah, une promesse, carrément. Une promesse, <sais pas>. Ok, bon, bah... C'est une promesse, c'est dit. On va voir. D'accord. Okay. Ça va super vite. Mais j'en étais sûre, tu vois, je savais. Je c'est savais, vrai. Quand j'ai vu le visage de cette proprio-là, j'ai su que ça allait être pour toi, quoi. Mais j'y croyais pas. Toutes les chances. Quand t'as appelé tout à l'heure, j'ai pas su quoi lui dire. Incroyable. Je suis restée bouche bée pendant au moins un quart d'heure au téléphone. Je revenais pas. Ça allait tellement vite, quoi. Ah ouais, c'est... Donc voilà, c'est fait. J'ai plus qu'à signer le bail. J'ai rendez-vous c'est... demain. C'est... Wow. Mais du coup, enfin, ça veut dire que là, on est prêt pour aller vivre ensemble, ça quoi. Ça veut dire qu'on va vivre ensemble, ouais. C'est... Waouh. T'es toujours d'accord ? Oui, bien sûr. J'ai un petit peu de doute, quoi. C'est juste que ça va très vite, mais... Tu veux vivre avec moi ? Oui, bien sûr. Alors... Tu veux habiter avec moi ? Oui. Tu vas tenir ta promesse ? Oui. Allez, il faut fêter ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a ? Champagne. Écrit.
l'impression qu'on... que cet appart a été fait pour nous, qu'il était là pour qu'on se rencontre, qu'il était là pour nous accueillir. Ces murs ont été fabriqués pour qu'on se retrouve. Ouais, c'est vrai. C'est fou. J'ai jamais vécu une expérience comme ça. C'est vrai. C'est magique, vraiment. Ouais. Et puis cette maison, ces murs. Tu sais, quand je suis arrivée et que j'ai senti cette énergie, c'était comme si les murs aussi nous regardaient. Ouais, c'est ça. Moi, c'est pareil. J'ai l'impression que t'es un... À chaque fois que je rentre, j'ai l'impression que t'es déjà là, que je te sens partout, dans chaque pièce. Non, c'est beau ce que tu dis, c'est beau. C'est un petit peu comme les murs de notre petit nid d'amour. J'espère juste que ça va pas devenir les murs d'une prison. Quoi ? Rien, je dis juste que j'ai un peu de mal à me sentir enfermée, tu vois, que ce soit dans un espace ou en esprit, ou j'aime pas ça. Ouais, je comprends pas ce que tu dis là. Je dis rien de... Je dis que je tiens à ma liberté, tu comprends ? Que mon cœur est avec toi là, je suis avec toi. Ton cœur est avec moi ? Mais oui, mais c'est juste que j'ai peur de perdre mes ailes, quoi, c'est tout. Non, mais si ton cœur est avec moi, alors tu m'appartiens, ton cœur est à moi. Non ? N'est-ce pas ? Mais tu sais, pour moi, l'amour, c'est avant tout la liberté. Tu sais, ces histoires de fusion et de dépendance, ça me fait un peu peur, moi. Moi, je pense que... Pour s'aimer, il faut se donner entièrement. Oui. Non ? Bah oui. Tu veux être avec moi ? Oui. Tu m'aimes ? Oui. Alors tu dois... Je vais me donner tout de suite. Ah. Je vais me donner là, maintenant, avec toi, ici, dans ce lit. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ça fait une heure que je t'attends. Rien. J'étais un petit peu occupée, c'est tout. Ouais, t'étais occupée, tu pouvais pas sortir pour me prévenir ? Attends, il se passe quoi là ? C'est quoi ? Y a un problème ? Y a aucun problème. Tout va bien. Il se passe que je s'aime encore et que... Et voilà, c'est... On s'aime encore ? Oui. Ça veut dire quoi, on s'aime encore ? Il s'est passé un truc grave ? C'est une période difficile. C'est quoi, on s'aime encore ? Mais non, on s'aime encore parce qu'on est en train de vivre la continuité de notre histoire. Moi, j'aimerais bien que tu me montres de temps en temps. Si vraiment tu tiens à moi, j'aimerais bien que tu me montres de temps en temps. Voilà, c'est ça. Les spinners que je poirote. Bon, ben voilà, je sais pas. Je sens que c'est normal. Que je montre comment ? C'est pas quoi, comment, c'est si tu tiens à moi, si tu tiens à notre amour, à notre relation, ben je sais pas, j'ai besoin d'un minimum de preuves de ça, ou j'aimerais bien que tu me le montres, ou que tu me le démontres de temps en temps, voilà. Des preuves, en fait, c'est ça. Tu veux des preuves, des promesses.
Ouais, un peu mélodramatique, quoi. C'est un petit peu usant, ça. C'est bon, tu veux te foutre de ma gueule, c'est ça? Oui, bah oui. Si tu veux que ça dure, bah oui, tiens tes promesses, oui. D'accord. Bon, bah, rendez-vous au prochain épisode. Super tôt, mais c'était l'anniversaire de Lucie. Alors on est allé fêter tous ensemble. Je suis ravi que tu te sois amusé. Moi aussi j'avais envie de célébrer ce soir. Tu te souviens? Je sais pas si tu te souviens, ça fait 3 mois. Et alors, il était bon ce vin? Super. Tu sais, Benoît, j'ai réfléchi. Et je crois que je veux déménager. Je me sens pas bien ici, je suis mal à l'aise. D'accord. Tu veux terminer avec moi, c'est ça? Parce que franchement, je pense pas que ce soit l'appartement le problème, non? Ça fait à peine 3 mois qu'on est là. Écoute, sois pas dramatique. Je suis pas en train de te quitter. C'est pas ça. C'est juste que je me sens pas bien ici. Je me sens enfermée, tu vois. J'arrive pas à respirer. J'ai besoin d'aller ailleurs, de changer. Tu comprends? D'accord. Bah écoute, demain je mets une annonce dans le PAP. Pas de problème. Ok. Oui. Merci. Tiens, regarde, j'ai fait plus de billets annonces. Ah, déjà? Déjà. T'es rapide là pour le coup. J'étais rapide, ouais. Un peu comme tout l'a été dans notre relation. Tu sais, je sens que cette nuit-là, il y a quelque chose qui s'est brisé. Je crois vraiment que quelque chose a changé depuis ce moment-là. Et je veux que tu saches que je t'aime toujours. C'est juste que ça a été trop vite. On a été trop rapide dans cette relation et moi je me sens pas prête à compromettre ma liberté comme ça. Et je crois que il faut vraiment qu'on essaye d'extraire de l'amour toute possession et toute identification. Pour vraiment être capable de s'aimer. Non mais arrête, d'accord. Si tu m'aimes vraiment, t'as pas besoin de m'expliquer tout ça. La vérité c'est que je sens que tu m'aimes plus comme avant. Tu me vois plus comme avant, tu vois plus notre relation comme avant. En fait, avec toi, il faut se taire, hein. C'est ça, hein.
Bonjour. Bonjour. Anna. Natalia, ravie. Ravie. Désolée pour le retard. Ah non, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Entrez. Merci. C'est vrai que c'est un petit peu éloigné du centre. Hein. C'est pas grave, je travaille juste à côté. C'était juste pour trouver l'endroit qui était un petit peu délicat. Non, c'est pas grave. D'accord. Ben voilà. Alors, je vous montre rapidement la première pièce hein, qui donne sur le jardin, comme c'était écrit. Oui. Voilà. Là, c'est le couloir. Donc, le meuble. Il reste ici, le meuble? Il reste, ouais. Oui. Tout reste, tous les meubles. Là, c'est la salle de bain. Très agréable, avec cette baignoire très, très romantique. Hein. Oui. N'est-ce pas, chérie? Pas trop grand. Oui, admirable. Superbe. Super, la salle de bain. C'est vraiment parfait hein, pour un petit couple. Oui, mais moi je suis toute seule donc les mecs pour l'instant pour moi c'est un casse-tête chinois. Je viens juste de déménager à cause d'une histoire comme ça. Mais bon, c'est... Ah ouais. C'est pas grave. Ouais, c'est pas évident. Hein. Bon, je vais continuer à vous montrer là. Bon, il y a un super miroir. C'est très bien. Là, c'est le salon. Voilà, pareil qui donne sur le jardin avec la cheminée qui est dans le coin. Mm-hmm. Voilà. C'est donc, ici, il y a, ouais, il y a le petit, la petite porte hein, qui fait rideau. C'est joli. Et là, la cuisine, c'est un petit peu la pièce la plus illuminée de l'appartement. Oui, d'ailleurs, la cuisine est ravissante également, comme vous pouvez constater. Très fonctionnelle, beaucoup de placards, très ensoleillés, remplis encore de souvenirs délicieux, vous voyez. Puisque d'ailleurs, c'est tout ce qui nous reste, n'est-ce pas, chérie? Les souvenirs. Hein? Bon. Je vais vous montrer encore. D'accord. Il y a la vaisselle qui reste ici ou... Une partie qui appartenait oui, à la propriétaire. Mais sinon, tout, là, le frigo, le lave-linge, les plaques, tout reste. D'accord. Tout marche à gaz ou à... Gaz et électricité. D'accord. Ouais. D'accord. C'est les mêmes frais? Les mêmes frais, c'est... Excusez-moi, c'est... Ah non, c'est pas grave. Ça arrive. Un petit peu nerveux, là. Oui, je comprends, c'est le déménagement. Voilà. C'est pas grave. Donc oui, voilà, pour le loyer, c'est comme c'était écrit sur Internet. Hein. D'accord. Toujours pas. Est-ce que je peux bien visiter sûr, les chambres? Bien sûr, merci. Oui. Alors, ça te plaît? Moi, j'aime pas vraiment le quartier, mais bon, on va voir. Pourquoi t'aimes pas vraiment le quartier? Là, je sais pas, il y a trop de monde ici, c'est trop bruyant, c'est assez mal fréquenté, c'est pas très bien desservi. Mal fréquenté, qu'est-ce que tu dis là? C'est n'importe quoi, mais écoute, quand t'es dans ton appart, t'es pas avec les gens dans la rue, quand on s'en fout. D'accord, mais quand tu rentres dans ton appart, tu passes dans la rue, non? Oui, ok, mais bon, tu vois là-haut, il y a un double vitrage dans toutes les chambres et on n'entend pas les bruits de la rue. Allô? Oui? Ah oui! Pour l'annonce, oui, en effet. On cède le bail. Voilà. Nous, ça fait. Combien? Ça fait 3 mois à peu près, ouais? Ah non! Oui? Oui, il est très bien desservi. Il y a 3 métros. Maraîcher, Avron et l'autre... Oui, Porte de Vincennes, voilà. C'est ça. Ah, vous travaillez pas loin, bah, c'est très bien, c'est parfait. Pour la visite. Oui, pour la visite, donc... demain, oui. Moi-même, oui, je pense. Et ça sera moi-même, oui. Alors, vous êtes Louis. Oui. D'accord. Natalia. Très bien. Alors, oui. 2h30. Ok. Bon.
À demain. Au revoir. Luis, c'est ça? Un Colombien? Un quoi? Un Chilien? Un Chilien. Ah, c'est bien. Sud-américain, c'est bien. D'accord. Ah, puis vous serez tranquille. Écoute, t'as mis une annonce. Il faut bien qu'on fasse visiter cet appartement et toi, tu peux jamais de toute manière. Ouais. Donc, je sais pas, faut. Bah oui, je peux jamais, c'est sûr. Le soir, à partir de 7h, c'est pas possible. Le week-end, c'est pas possible. Bah écoute, non, t'as qu'à répondre au coup de fil, quoi. Ah, t'as qu'à te lever et prendre le téléphone. C'est moi qui. D'accord, c'est bon, n'en parlons plus. Oh putain, c'est pas possible. Bon bah tu vois, il est bien cet appartement. Ouais. Il est grand et c'est un très très beau quartier, bien desservi. C'est vraiment idéal pour un couple, je pense, moi. Mmh. Parce que t'es en couple, non? Moi, non. Et toi? Moi, oui. Enfin, en ce moment, je vis avec quelqu'un, mais je sais pas trop où va cette relation. Je suis un petit peu perdue, quoi. D'accord. Tu vois? Ouais, je comprends. Mais bon, parle-moi de toi. De moi? Ouais. Mais pourquoi? Je sais. On pourrait plutôt parler de l'appartement, non? Moi aussi, l'appartement. Et d'ailleurs, l'appartement, pourquoi tu le quittes s'il est aussi bien? Pourquoi je le quitte? Pourquoi je le quitte? Oh, il fait froid, hein? Ouais. C'est l'hiver. Ah ouais, mais bon, il y a des limites quand même. Ça fait trop longtemps que ça dure. Bah écoute, enfin oui, cet appartement, je l'adore, quoi. Je sens vraiment que dès que je l'ai vu, j'ai un coup de foudre. Mais là, je sens qu'il perd un peu son charme, quoi. Et tu crois que c'est à cause de l'appartement, non? Que tu pars? Oui. Ouais? Oui, on partit. Et quand est-ce qu'il va être disponible? Bah écoute, moi je vais partir. Enfin, on va déménager dans 2 semaines, je crois. Il t'intéresse vraiment cet appart, il te plaît? Je dirais que ce qu'il y a dans l'appart m'intéresse plus. Et il est quelle heure là? Excuse-moi, j'ai. Il est 2h. Ah ouais, c'est passé super vite le temps. En fait, j'ai un rendez-vous à la Cinémathèque là où je travaille. Je suis un peu à la bourre, en fait. Et quand est-ce qu'on peut se revoir pour conclure le contrat? Mais tu veux pas visiter d'autres appartements avant de prendre ta décision? Non. Tu sais, du moment que j'ai ouvert cette porte et que je t'ai vu, tu savais qu'il était pour moi. Ben, écoute, t'as mon numéro et tu m'appelles et puis on voit... On voit pour le jour et l'heure et la date et tout ça, quoi. Mmh. D'accord, ouais. Au revoir. Bah, je vais y aller, là. Au revoir. D'accord. Mais t'es encore en retard, j'en ai marre, Natalia. Oui, je suis en retard, c'est vrai. En effet. T'étais où? T'étais pas censé travailler aujourd'hui? J'étais à l'appartement, tu vois, et il pleuvait des cordes dans le quartier, c'était insupportable. J'ai mis 1 heure à prendre un bus. Il pleuvait des cordes et là il fait grand soleil, c'est bon pour un coup. Mais non, écoute, tu sais bien, on est au mois de mars et il pleut et puis il fait beau et c'est comme ça tous les jours, quoi. D'accord. Et là, t'as fait quoi cet après-midi? T'étais avec qui? Écoute, là, je j'ai pas à répondre à tes questions. Quoi? Non, je vais pas te donner d'explication. Ah ouais.
crois que je vais quitter l'appartement. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que j'ai besoin d'être seule. Je me sens pas prête, là. Je pense que ouais, on a besoin d'être seule tous les deux, tu vois. Puis moi, j'ai besoin de sentir ma liberté à nouveau. Un temps quoi. Réfléchissez un peu et réfléchissez un petit peu à tout, on voit où on en est. Tu vois, je pense que dans quelques semaines on pourra savoir un petit peu mieux ce qu'on veut vraiment chacun quoi. J'ai pas besoin d'attendre, j'ai pas envie d'attendre quelques semaines, j'ai pas besoin de réfléchir. Je comprends pas, qu'est-ce qui se passe, c'est ça coûte. C'est pour l'appartement, on le prend tout de suite. On prend celui que tu veux. Ce que je veux, c'est qu'on soit bien de nouveau. On soit comme au début. Cette chambre, comme je la connais bien. Elle est louée maintenant, avec celle d'à côté, à des agences commerciales. L'immeuble entier n'est plus que des bureaux, courtage, import-export et autres sociétés. Ah, cette chambre, comme elle m'est familière. Près de la porte, ici, se trouvait le canapé. Devant lui, un tapis turc. À côté, l'étagère et ses deux potiches jaunes. À droite ? Non, en face. Une armoire à glace. Au centre, la table où elle écrivait. Et les trois grandes chaises de paille. Près de la fenêtre se trouvait le lit où nous avons fait l'amour si souvent. Ces pauvres meubles doivent bien exister encore quelque part. Près de la fenêtre se trouvait le lit. Le soleil de l'après-midi lui arrivait jusqu'au milieu. Un après-midi à 4 heures, nous nous sommes séparés pour une semaine seulement. Hélas, c'est une semaine qui dure encore. On va voir la chambre, la grande. C'est là. Donc là, c'est la grande. Mm-hmm. Et puis là, c'est la plus petite. Mm-hmm.
Ça donne sur la rue, mais c'est isolé, c'est bien isolé. C'est parfait. C'est bien. Et les meubles, alors, ils restent ici? Ouais. Ouais, ils restent tous. Ouais. En fait. Et moi, j'adore cette table en bois. Vraiment. Ouais. Pur bois. J'adore le cuir. Ouais. C'est parfait. T'es contente? Ouais, je suis ravie. Ouais. Je suis ravie d'être ici, d'être avec toi. Mmh. Ouais, vraiment, j'adore ce lieu. Mmh. Et puis tu vois, là, eux, ils partent parce qu'ils sont partis en voyage et ils partent pendant 2 ans. Donc, on va pouvoir avoir le bail pendant 2 ans. Après on verra. Après, on verra. Mmh. Et tu les connais? Non, enfin, pas directement. C'est une amie à moi. Parce qu'en fait, elle est artiste, tu vois. Mmh. Elle fait ça. Tableau. C'est elle qui peint ses tableaux. Ouais. Et lui, il est amateur d'art primitif, tu vois. Mmh. C'est pour ça, enfin, je crois que c'est pour ça qu'ils sont partis en voyage, justement. Pour une mission qu'il doit faire. Tu vois. Mmh. Donc, il y a vraiment bien chargé d'énergie, cet appart. Pour faire des choses primitives. Ouais. Si on veut. Ouais. Oh, ce serait vraiment bien. Non, ouais, t'inquiète pas. Il va être un... J'espère. Je me sens très bien. Mmh.